Tout le monde, bienvenue.
dans la rencontre prière, dans la fête à soi. Comme nous avons déjà commencé avec thème, non, c'est entrer dans la joie du Seigneur. Et nous connaissons un temps avant, c'est un temps qu'on a préparé nous pour nous accueillir, sauver nous. Hein? Et dimanche passé, c'était dimanche de la joie. En dépit de toutes les difficultés que nous sommes capables de vivre, nous connaissons joie, ce n'est pas une joie qui est superficielle, mais c'est une joie qui sort dans le fond que nous. Et ces joies, ça, nous a offert bon Dieu dans le moment prier nous. Pour joie, ça, c'est une joie qui cap contaminer l'autre, fait l'autre goûter joie de vivre, de demeurer avec le Seigneur. Oui, ça marche. Et pour commencer, prier nous, nous allons aller voir une vidéo et en même temps un chant préparé à travers le désert les chemins du Seigneur. Nous arrivons dans un moment où nous sommes capables de prendre un petit temps pour nous demander, bon Dieu, grand maître, la pardon. Pour toutefois, la façon de vivre,
nous pas te tourner un vrai témoin de l'amour. Nous vivons dans la société, nous vivons dans un monde côté yon pas vle l'autre. Côté c'est violence, c'est la guerre. Côté c'est yon rete indifférent envers souffrance l'autre. Pour toutefois, bon Dieu Papa, nous pas te gen assez remè nan ke nou. Nous mande au pardon. Pour toutefois, nous pas te goûter la joie que ou ban nou et partager avec frère action nou yo. Nous mandons pardon, bon Dieu Papa. Au début de notre prière, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas semé des germes de vie autour de nous. Mon Dieu, grand-mère, pas voyez nous jeter. Malgré tout ça, nous faisons qui mal, yo. Tant pis, pardonnez-nous. Gain pitié pour nous. Sœur Joubert, après les lits pour nous, psaume 148 là. Sœur Joubert, micro fermé. Que le Père soit loué pour tous les êtres venus de lui. Les êtres des hauteurs, louez-le. Tous ces messagers, louez-le. Tous les signes de son amour, louez-le. Le soleil et la lune, louez-le. Toutes les étoiles brillantes, louez-le. Tous les êtres plus gros que les nuages, louez-le. Et vous, les eaux, par-dessus les cieux, louez-le. Que toutes choses proclament l'amour du Père, car ce qui existe est né de lui par sa volonté. Il en est ainsi à tout jamais, selon son dessein qui ne passera pas. Que le Père soit loué par ceux qui vivent sur la terre, monstres de la mer et puissances secrètes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête venu de sa puissance. Les montagnes, comme les humbles collines, les arbres fruitiers et toute la forêt. Les bêtes sauvages et les domestiques, les reptiles et les oiseaux. Tous les rois de la terre et leur peuple, les gens de cour et les petits monarques. Les jeunes gens comme les jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Que toute créature loue l'amour du Père. Car cet amour est unique et plus grand que tout. Une merveille qui ne dépasse la terre et les cieux. Il est venu redonner au monde sa dignité pour la joie des gens qui l'accueillent
ses enfants de la famille assemblée par lui. Que le Père soit loué pour tous les êtres venus de lui. Des frères actionnaires, si vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît.
On nous continue à invoquer l'Esprit Saint dans prier, non. Esprit de Dieu, viens sur chacun, sur chacune de nous. Viens, Esprit de sagesse, viens habiter en chacun de nous. Fais-nous goûter la bonté et la tendresse de Dieu. Donne-nous la grâce de contempler le visage du Père dans la vie présente et la gloire future. Viens, Esprit d'amour, viens habiter en chacun, en chacune de nous. Verse de plus en plus ta charité dans nos cœurs. Fais que notre existence soit une image vivante de Jésus, afin que se renouvelle en nous son mystère. Seigneur, nous voici rassemblés autour de toi pour te confier le monde dans lequel nous vivons. Ce monde qui vit présentement dans l'incertitude, les conflits et souvent dans l'indifférence à ton égard. Ce monde qui oublie souvent que tu es la source vive, la source qui donne la vraie paix. Aide-nous à travailler pour que cette paix règne sur notre pays et dans le monde entier. N'a pas entré dans moment adoration nous. Côté n'a disposé que nous. N'a disposé toutes nous-mêmes pour nous écouter, pour nous vivre moment fort ça ensemble. Recording.
Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Pour le pain de la parole qui rassasie notre faim de te connaître. Merci, Seigneur. Pour ces pardons qui nous rapprochent, pour cet amour qui réveille notre goût de vivre, nous te disons merci Seigneur. Pour l'esprit qui nous garde dans la foi et dans l'espérance. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pour la joie qu'au ban nous assoya dans le moment ça, pour de nous toutes nous rassembler ensemble, pour nous prier, pour nous adorer, pour nous contempler. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, pour le don que tu nous as fait de ton corps et de ton sang.
Par l'Eucharistie, tu viens demeurer en nous. Fais-nous aussi demeurer en toi. Arriver dans le moment, nous capables de continuer la prière, nous. Nous proches temps Noël là. Nous pas Nous prenons un petit temps pour nous capables contempler la foi de Marie dans une vidéo qui a préparé nous dans Noël là qui a privé dans quelques jours. M'inviter nous prendre temps, garder l'image, lire parole.
Excusez-moi. Dans les sons. Excusez-moi, attendez. Son. Bientôt, on va entendre des sons. Non, pas du son, mais du coup, ça va faire un petit temps. On l'a entendu?
Oh, I love it. Comment ça se fait? Mandé, nous pas connaît ici, mais au Capula pour Chapléa. En attendant que mes capillaires commencent à placer, nous parlons côté chant Notre-Dame, Maman Marie. Oh. Notre dame, maman, reine peuple haïtien, pour qui t'es sauvé, nous en bas la plus grande, t'en prie, continue, l'ouvre les yeux, ou sous peuple haïtien, non pas travail. Jésus a pour nous, non sans se tromper. Jésus a pour nous, Maman Marie, nous comptons sur vous. La divine portée nous secours. Maman Marie, Maman nous comptons sur vous. La divine portée nous secours. Notre-Dame, Maman. Pour qui t'es sauvé, nous en bas la révolte. T'en prie, continue, l'ouvre les yeux ou soupe. Haïtien, non, qu'un problème. Jésus a pour nous, la vie nous troublée. Jésus a pour nous, Maman Marie, non, compte sur vous. Alors, c'est Kamenta, tu es là? Oui, nous sommes là. Ok, d'accord. Merci. Merci. Non, méditation chapelet nous en soin. N'a dit bon Dieu merci. Pour maman Marie, Liban nous qui t'es collaboré dans le plan de délivrance nous. N'a demandé dans la troisième semaine en avant pour continuer à accompagner nous. Dans la même espérance là, pour nous capables d'accueillir Sauveur nous avec un cœur qui plein remède. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est en Jésus, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours. Premier dixième, l'agonie de Jésus. Nan dizen sa, nan pla priye pou l'Eglise la ak dirijan li yo. An mande bon Dieu pou l'ede yo viv nan plis esperans, konsa ya ede prepare ke nou pou n'akyeyi sove nou an. Notre Père ki es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nos soucis à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Femme et Jésus, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. N'a prié dans dizaine ça, maman Marie, pour Mandel continuer à intercéder pour nous, bon côté petit lit Jésus-Christ, pour Haïti à tout le monde là, pour période Noël, Cap Vignon, côté la paix dans chaque peuple. Papa, nous qui dans le ciel là, c'est pour nous respecter, non? C'est pour nous reconnaître, c'est au Kiwa. C'est pour volonté ou faites sous terre tant qu'on dans le ciel là. Et nous besoin chaque fois, pardonner aujourd'hui, pardonner ça nous fait, tant qu'on nous pardonne, nous qui fait nous qui choye, pas quitter nous pour un piège, mais délivre-nous à ça qui mal. Marie, c'est pour content, ou même qui plein faveur, grand mettre là avec vous. Li béni on passe toute fille et li béni Jésus petit tout fait. Marie, nous sommes, nous sommes maman de Dieu, nous sommes pécheurs. La prière pour nous aujourd'hui à l'heure de prière pour nous. Amen. Marie, c'est pour content ou même qui prend faveur quand mettre là avec vous. Li béni on passe toute fille et li béni Jésus petit tout fait. Marie, nous sommes, nous sommes maman de Dieu, nous sommes pécheurs. La prière pour nous aujourd'hui, à l'heure de prière pour nous. Amen. Marie, c'est pour content, ou même qui prend faveur, grand mettre là avec vous. Li béni, ou passe toute fille, et li béni Jésus, petit tout fait. Hein. Marie, c'est maman, bon Dieu, nous c'est pécheurs. La prière pour nous aujourd'hui, à l'heure de prière pour nous. Amen. Marie, c'est pour content, ou même qui prend faveur, grand mettre là avec vous. Li béni ou passe toute fille, et li béni Jésus, petit tout fait. Hein. Marie, ou c'est maman, bon Dieu, nous c'est pécheurs. La prière pour nous aujourd'hui, à l'heure de nous. Amen. Marie, c'est pour content, ou même qui prend faveur, comme mettre là avec vous. Li béni ou passe toute fille, et li béni Jésus, petit tout fait. Hein. Marie, ou c'est maman, bon Dieu, nous c'est pécheurs. La prière pour nous aujourd'hui, à l'heure de prière pour nous. Amen. Marie, c'est pour content, ou même qui prend faveur, grand mettre là avec vous. Li béni ou passe toute fille, et li béni Jésus, petit tout fait. Hein. Marie, c'est maman, bon Dieu, tous ses pécheurs. La prière pour nous aujourd'hui, à l'heure de prière pour nous. Amen. Marie, c'est pour content, ou même qui prend faveur, grand mettre là avec vous. Li béni ou passe toute fille, et li béni Jésus, petit tout fait. Hein. Marie, c'est maman, bon Dieu, nous c'est pécheurs. La prière pour nous aujourd'hui, à l'heure de prière pour nous. Amen. Marie, c'est pour content, ou même qui prend faveur, grand mettre là avec vous. Li béni ou passe toute fille, et li béni Jésus, petit tout fait. Hein. Marie, c'est maman, bon Dieu, nous c'est pécheurs. La prière pour nous aujourd'hui. Marie, c'est pour content, ou même qui prend faveur, grand mettre là avec vous. Li béni ou passe toute fille, et li béni Jésus, petit tout fait. Hein. Marie, c'est maman, bon Dieu, nous c'est pécheurs. La prière pour nous aujourd'hui, à l'heure de prière pour nous. Amen. Marie, c'est pour content, ou même qui prend faveur, grand mettre là avec vous. Li béni ou passe toute fille, et li béni Jésus, petit tout fait. Hein. Marie, c'est maman, bon Dieu, nous c'est pécheurs. La prière pour nous aujourd'hui, à l'heure de prière pour nous. Amen. Vive papa, à petite là, avec l'Esprit Saint. Tant qu'il n'a pas commencement, ni aujourd'hui, ni tous les jours, et tout le temps, amen. Troisième dizaine, le couronnement d'épines. Dans dizaine ça n'a la prière pour tout jeune yo yon façon spéciale tout ça yo qui a vive en Haïti on demande bon Dieu pour le mettre en pile remène à cœur pour le pays yo pour environnement yo à pour frère seul. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Quatrième dizaine, portement de la croix. Dans dizaine ça, n'a pas la prière pour malade nou yo. Si tout si la yo qui pas capable joindre bon gens soin. On mande bon Dieu, li même qui c'est vrai docteur pour le passer visiter yo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Cinquième dizaine, le crucifiement. Dans dizaine ça, n'a la prière pour toute famille sur la terre qui a traversé un moment difficile. Yon façon particulière, famille nou yo Haïti côté insécurité ak la vie chère fin détruit. On demande bon Dieu la vie pour l'accompagner famille sa yo, faire yon jwenn route de sortie et faire yon kwè nan yon demain meilleur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre plein de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Heureuse sois-tu, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est ton fils Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Heureuse sois-tu, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est ton fils Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureuse sois-tu, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est ton fils, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureuse sois-tu, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est ton fils Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureuse sois-tu, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est ton fils Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureuse sois-tu, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est ton fils Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Heureuse sois-tu, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est ton fils, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Heureuse sois-tu, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est ton fils, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureuse sois-tu, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est ton fils, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureuse sois-tu, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est ton fils, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons eu sa vie. Besoin la paix, dis Jésus ça pour nous. Nos besoins justice, dis Jésus ça pour nous. Maman Marie, nos peines et sorrows, prie vite porter nous secours. Maman Marie, nos peines et sorrows, prie vite porter nous secours. Mettre là avec nous, bénis-nous, passez-nous. Et lui bénit Jésus, lui dit nous Père, Marie, Saint, pour ces moments, bon Dieu, pour ces pécheurs, la prière pour nous, la dire à cœur nos prêts. Notre dame, maman, reine, peuple haïtien, pour qui t'es sauvé, non, en bas, la vérole. T'as pris, continue, l'ouvre les yeux, ou sauveur. Haïtien, nos besoins, l'espoir. Dis Jésus, ça pour nous. Nos besoins, la joie. Dis Jésus, ça pour nous. Maman Marie, nos comptes sur nous. T'as pris, vine, portez nous secours. N'a pas pris la deuxième partie, la prière, non? Avec l'étude de la parole, là, c'est sur nous, c'est Madame Gabrielle qui va le faire, première lecture pour nous, qui va lire la première lecture pour nous. On va connaître si Madame Gabrielle prête. Oui, je suis là. Ok, d'accord. Lecture du livre des juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver,
Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je n'y ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sœur Lisette, applique comme nous pour nous, s'il vous plaît. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour, ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour, ta splendeur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours à ceci. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon rôle, c'est toi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour. Ta splendeur, Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien, dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour, ta splendeur. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour, ta splendeur. Vient un moment où on est capable de proclamer parole bon Dieu, parole qui baille la vie. Alléluia, alléluia.
Rameau de Jessé, pétant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 1er, verset 5 au verset 25. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du goum d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée au prêtre de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière, au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé. Et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils. » Tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'Esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie lui allonge. Mais comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler
et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence. Et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et il comprit que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur disait, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Et quelque temps plus tard, sa femme, Élisabeth, conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret et elle se disait, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les autres. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, amis sympathisants de ce podium offert par l'apostolat haïtien dans son programme du dîner spirituel, dans sa retraite du temps de l'Avent. Et chers amis de ce réseau, fidèles à cette retraite depuis 3 jours, depuis tantôt dimanche jusqu'à aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être au milieu de vous pour partager de ma foi avec vous, de ma foi et de ce que je porte aussi d'espérance de ce Dieu qui s'en vient, de cette Noël qui s'en vient, du mystère de l'incarnation qui s'en vient, qui est déjà là d'ailleurs. Ce soir, de façon spéciale, nous allons voir cette joie, cette entrée dans la joie du Seigneur, naturellement, c'est le grand thème de la retraite, entrer dans la joie du Seigneur. De façon spéciale à ce soir, allons voir entrer dans cette plénitude. Ce matin, j'étais à penser à ce thème, à ce sous-thème. Entrer dans la plénitude, dit bon Dieu, si je dois entrer dans la plénitude, c'était comme si tu m'invitais à entrer dans les attributs de Dieu. Parce que finalement, comment entrer dans la plénitude sans entrer en même temps dans tout ce qui constitue notre héritage? Quelqu'un eut à me demander un bonjour, mais mon père, tu parlais tout à l'heure, dans ce temps-là, de l'héritage du chrétien comme co-héritier de Jésus-Christ. Mais de quoi s'agit-il? Il nous demande d'entrer dans cet héritage. Il y a même un chant de notre bréviaire qui nous invite à chanter, à entrer dans notre héritage. Mais de quel héritage s'agit-il? Et ce soir, on va essayer de voir ce que c'est que cette plénitude de Dieu qui s'offre à nous. C'est pas nous
qui nous proposons d'entrer dans l'héritage. Ce n'est pas un projet personnel, un projet orgueilleux, un projet arrogant. C'est Dieu lui-même qui nous invite à rentrer dans cette plénitude. Je vois déjà Galates verset 4. Mais la plénitude du temps. Il est né d'une femme, né sujet de la loi, en vue d'affranchir tous les sujets de la loi, le faire passer de l'état d'esclave à la position de fils et de fille. Non, mais la plénitude du temps. Dès l'école, on l'est, et puis professeur a dit comme ça, le chrétien est celui qui sait reconnaître la plénitude du temps. Il dit, waouh! Le chrétien est celui qui sait reconnaître la plénitude du temps, que le temps est plein de Dieu. Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui se cache derrière ce thème-là? D'ailleurs, cette réalité que véhicule ce thème-là. Faut relire quelque passage rapide là, donc Romains 13, verset 11 là, on dit, c'est le moment. L'heure est venue de sortir de votre sommeil. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres. Revêtons-nous pour le combat de la lumière. C'est Saint Augustin, au tout début de sa conversion comme chrétien, était tombé sous tes paroles, ça. C'est le moment. C'est comme si mon Dieu dit, ça bon, ou fin, prends plaisir, ou fin, fait tout ça, ben, après les 20 ans de prière de sa maman, et puis mon Dieu dit, Augustin, c'est le moment. Un moment qui arrive. Songez, 2 Corinthiens 6, verset 2, il répétait, et Isaïe 49, verset 8, qui dit comme ça. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, il avait dit, bien quel petit moment favorable, selon l'Ancien Testament, il y a des petits moments propices, il y a des petits moments de grâce, il y a des instants, au cours de du grand temps, il y a des petits temps. Il y a des kairos, des moments favorables. Il y a des moments, c'est comme si c'est pas tout le temps qui est consacré. Il y a des petits moments. 2 Corinthiens 6, dit comme ça, c'est aujourd'hui même. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui le moment favorable. C'est aujourd'hui, le voici, maintenant. Le temps favorable, le jour du salut. Autant aborder le thème ça, le thème de la plénitude. On dit, Seigneur, en ce temps de Noël, en ce temps de l'Avent qui prend fin bientôt, autant entrer dans cette plénitude de ta grâce. Le temps est plein de Dieu. Actuellement, avec Jésus-Christ qui vient, eh bien, il n'y a plus de temps morcelaire, par pièce détachée. C'est tout le temps qui est consacré à Dieu et tout le temps qui est obligatoire. Mais, en ces temps forts de l'année liturgique, du temps liturgique comme tel, c'est comme si ça se fait plus fort. C'est comme s'il y a une grâce sacramentelle dans le temps
d'aujourd'hui. Et puis, c'est entrer dans ce temps sacramentel. À travers ce temps de l'Avent, Dieu nous donne d'entrer de façon extraordinaire à un moment de grâce extraordinaire. Même si la grâce peut se donner au mois de juin, au mois d'octobre, en avril, peu importe. Mais maintenant, où tu es, où l'homme, où le chrétien, où le disciple, où l'Église prend ton temps, prend son temps pour faire mémoire du Sauveur, mémoire de Jésus-Christ dans son curriculum de vie, de sa naissance et puis au calvaire. Oh ben, dans ce temps qui est extraordinaire, la grâce devient aussi extraordinaire. C'est le pape Léon le Grand qui le dit. Et donc, nous voici au cœur de cette plénitude. Alors, t'as le matin de penser, dit, bon Dieu, s'il y a plénitude, il devait y avoir un vide. Devait y avoir un rien, un néant. Et puis, je me dis, bon Dieu, dis-moi, oui, il y a le néant. Il y a le vide. Et puis, c'est Romains 8, 19, là, on dit comme ça, toute la créature, toute la création est soumise au pouvoir du néant. Ah bon, voilà. Toute la création est soumise au pouvoir du néant. Et c'est Jésus qui vient remplir cette création de sa présence. Et pour ce faire, il est venu lui-même s'anéantir, entrer dans mon néant, dans notre vide, dans notre néant. C'est Philippiens 2, versets 6 jusqu'à 11 ans. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement qu'il le rend égal à Dieu, mais il sait. Entrer dans mon néant, dans le néant de l'homme, ou de dire que dans ta vie, tu partages la stérilité d'Élisabeth, de Zacharie, tu partages la stérilité de Manoah, de sa femme, et père et mère de Samson dans les lectures d'aujourd'hui. Tu partages l'étonnement de la Vierge Marie qui ne connaît pas d'homme dans sa vie qui va enfanter. Jésus vient entrer dans ce néant à perte de tête, dans ce vide. Matin, pendant ma pensée samedi, Seigneur, tu viens me parler de ta plénitude. Et dans cette plénitude, il y a tous les biens qui viennent de toi. Il y a les richesses qui viennent de toi. Ça me fait penser au grand manque dans ma vie. Il y a un manque dans ma vie. Tu me fais chanter avec le psaume 23. Comment tu es mon berger, ô Seigneur? Rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu es ma plénitude. Je vois. Le psaume 104, matin 105, verset 21, tu nous parles de Joseph, qui a fait de lui le maître de tous les biens du pharaon. Et puis là, dans Genèse 41, 55, 54, 55. Ah ben, il y a les riens, il y a le vide, il y a la plénitude. Capable de comprendre, moins capable de commencer à comprendre. Bon Dieu, vous voyez saluer la Vierge Marie avec ce mot bien symbolique. Réjouis-toi, comblé de grâce. Et pas pour rien que bon Dieu envoyait, employé, même comblé, hein, parce que on était comme presque vide.
de toutes les grâces. Il y avait des grâces comme par accident. Depuis le péché d'Adam et d'Ève, c'est comme si tout a été fracassé. Nous vivons à une époque de grand manque de Dieu. Pour le psaume 41, 42, j'ai soif. Psaume 62, Matthieu 63, j'ai soif. Il y a un manque. Et l'or manqué, mon Dieu, c'est comme si plus rien ne vaut. Même romantique français, comment Lamartine, qui chantait, comment un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Moi, Adam, on dit la guerre dans la savane, dans le jardin d'Eden, et puis Adam, on regarde en bas, c'est comme si il pour compter dans la savane. Il lui manque quelqu'un. Bon Dieu, pour le bal, Ève, bien entendu. Mais à travers Ève, c'est comme si, bon Dieu, dit, attention, je t'ai créé avec un manque. Et ce manque va être comblé par moi, le grand autre. Le grand autre. Nous voici sur la route vers le grand autre. Cet autre n'est autre que Dieu même. C'est Elisabeth, c'est Thérèse d'Avila qui chante. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. On te met bien ceci, bien cela, bien l'argent, bien prospérité, bien savoir, bien tout. Ou pourquoi bien bon Dieu dans la vie ou? Ou après tes vies, pas qu'au monde qui manque tout bagage. Marc 10, verset 17 à 21, n'est la riche. Il lui demande à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire? La femme cherche parce que lui pas satisfait. Jésus dit comme ça, va, vends tout ce que tu as. Avec lui, vidéo. Sou pas vidéo ou pas capable de remplir. Jean-Baptiste, Jean 3, verset 31, il dit, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Si pas gagner, sou pas bailler, ou sou pas faire vide là, ou pas esquiver, ou plein place là, trop, il y a trop de ton moi. Donc, de ton ego, à une place pour mon Dieu. Et Jésus entrait. L'ange Gabriel entrait. Il dit, réjouis-toi, plein de grâce. Il fait un constat. Il dit comme ça, tu vas, comme condition. Mon Dieu fait miracle, gros bonnet. Le miracle de Dieu. C'est son intervention gratuite dans ta vie, pour ton salut, pour mon salut. Taléa, depuis l'envente, bon Dieu choisit Samson. Tout allait depuis l'envente, bon Dieu choisit Jean-Baptiste. Soit le prend Éphésiens 1er avec ses quatre là, et puis grave lui-même. Dès avant la création du monde, Dieu nous a choisis. Dès avant, avait dit, papa, ils sont des mamans, des papas, des votes, mamans, des votes, madame Manoa, des votes, madame Zachary, madame Abraham, Radot. Depuis avant la création, bon Dieu choisit, bon Dieu ouais, bon Dieu connaît. Bon Dieu, remet. Il dit à Vierge Marie, réjouis-toi, comblé de grâce. C'est comme si, avec cette réalité de grâce dont est comblée la Vierge Marie, c'est comme si, pas de place encore pour t'a dit non, pas de place encore, c'est comme si,
voix ouverte devant lui, pour lui ouvrir la liberté là, pour lui dire, je suis la servante du Seigneur. C'est ça que mon Dieu habitant, que vous offrez pour entrer dans cette plénitude. La plénitude existante, on invite pour entrer là-dedans. Ouais, avec plénitude, ça, Jean-Baptiste, Jean 3, verset 29, là. Il a peut-être posé Jean-Baptiste question, mais pour qui es-tu? Tu n'es ni de Christ, ni Élie, ni le prophète. Mais qui es-tu? Qui es-tu donc? Et puis tu baptises au nom de qui? Au nom de quoi? Jean-Baptiste dit comme ça. Je suis la voix. Justement, et qui est l'épouse? Qui est l'époux? Il a l'épouse, c'est lui l'époux. Mais l'ami de l'époux. Alors, réponse intelligente. On répond, j'éclaire. Mais l'ami de l'époux, ce qu'il a et qu'il entend se réjouit à la voix de l'époux. Elle est ma loi et elle est complète. Elle est pleine. Elle est dans la plénitude à venir. Le fait d'écouter seulement, ça te rend capable de faire d'entrer dans l'alliance avec Dieu. Pas oublier de Jérémie 31. Verset 31 à 34. Depuis de ça, depuis la promesse là seulement, bon Dieu, comment c'est d'où qu'elle prend le bombardier? Et du coup, ça allait arriver. Ce n'est pas ni sous tableau, ni sous tablette, ni sous papier que on prend, et puis on prend demander monde à gauche, à droite, fait nous connaître la loi de Dieu. Allez, ma parole, je l'inscrirai sur ton cœur. Bon Dieu, déjà annoncé que pas de problème, petite. Pas besoin de courir à gauche, courir à droite, ou à bien long, mais même. Romains 10, verset 8, et moi, même en pile, 8 avec 9, et puis après ça, verset 17, là. Je le dis, la parole n'est pas loin de toi, non, petit. La parole n'est pas loin de toi. Elle est sur tes lèvres. Elle est dans ton cœur. La parole de foi que nous proclamons. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, si tu confesses de tes lèvres que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Avait dit, bon Dieu, on va chercher le tombeau vide. Ou ap chèche la crèche, ou ap chèche Bethléem, ou ap chèche Nazareth, ou ap fè pèlerinaj pou alouè bagay sa yo, et si tout. Mè tade, li pa louè de toan. Li pa bezè, kouè a gauche, kouè a droite. Bon diè nan pi, nan pi ou mèm. Ouè zache kap monte, kouè monte piè boa, ou alouè Jésus. Luc 19, verset 1 à 5. Après, j'applique mon rêve, mais comme ça. Zaché monte en l'air. Il fait ouais, Jésus. Jésus a passé à terre. Jésus posé. Jean Haïtien dit Jésus posé à terre. Posé. Zaché descend vite. C'est comme s'il veut dire lui, soit cherché en l'air, c'est à terre. C'est ça que fait. Dans ce maintenant, semaine dans l'avance, qui a fini là. Semaine, qui a préparé surprise pour cœur ou pour l'esprit ou là. Essayez de découvrir dans la vie ou dans ton jardin, dans ton propre jardin, au pied de ton propre sycomore. Jésus qui vient te rencontrer pour te dire, je ne suis pas loin de toi, non. Ils sont pas dans pile comme ça. Et donc, bon Dieu a invité à entrer. Jean-Baptiste, entrer dans cette plénitude. Jésus,
a parlé de sa demeure. Au bel chapitre, au Jean chapitre 15. Là, Jésus, dans le verset 11, là, Jésus finit par parler de peut-être sept fois de demeure en moi, moi demeure en toi, ainsi de suite, dans la vigne, branché sur moi, moi branché sur toi. Et puis, le verset 11, là, Jésus dit, je vous dis toutes ces choses-là pour que ma joie soit en vous et qu'elle soit complète. Une joie en plénitude, avait dit, oh, rien pas manqué. Les bons dieux, bon, qu'est-ce qu'on t'en dit, hein? Et du coup, ça te suffit pour continuer à grandir, pour continuer à m'accueillir, accueillir la sainteté. D'ailleurs, c'est, t'es capable de dire, c'est porte ouverte même à la sainteté. Éphésiens 3, verset 19, là. Je dis comme ça, eh bien, soyez greffés en lui, greffés, enracinés en Jésus. Que vous connaissiez la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur. Que vous connaissiez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Et ainsi, vous allez entrer, belle bagaille, par votre plénitude dans la plénitude. L'unitude même de Dieu. C'est l'amour qui fait entrer dans cette plénitude. Et si Jésus vient chez nous ces derniers temps, bien ces derniers jours, après qu'il ait fait déjà son apparition à Nazareth, à Bethléem, c'est pour nous remplir de cette présence. Pour nous dire, le Seigneur soit avec vous. Mais c'est avec vous, vraiment. Et j'ai dit comme ça, il y a Hélène, bon Dieu a annoncé Isaïe, il y a Hélène Emmanuel, comment Isaïe 7, 14 là, et Dieu est avec. Hélène Joseph, Hélène Jésus, Dieu sauve, il sauve aujourd'hui, il sauve maintenant. C'est Dieu qui vient remplir le vide. Qui vient remplir notre néant pour nous donner consistance par sa présence. Mais ouais, Jésus continuait. Jean 16, verset 21 à 22, spécialement verset 22, dit comme ça, oh ben, l'air après arriver, oh ben, la femme, je ne point d'accoucher, s'attriste parce que son heure est venue. Mais vous aussi, vous vous attristez parce que je pars. Vous êtes triste parce que je pars. Non, je serai là avec vous pour que vous ayez la joie en vous. Et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Dis mon Dieu, waouh! En pire, des fois, je me sens perdu quelque temps. Je me perds confiance ça. En pile des fois, je me sens une paix de sérénité, ça. En pile des fois, je me sens une poutre. En pile des fois, je me sens une blasé. En pile des fois, je me sens une fracassé. En pile des fois, je me sens une profané. Répétez cette joie inébranlable. Des fois, je prends psaume 15 en parenthèse 16. Moi, je chantais, mon bonheur et ma joie, mes délices, le Seigneur. Mais lorsque je n'ai pas ce bonheur, je cours après d'autres dieux. Ces dieux que j'aimais ne cessent d'étendre leur ravage et l'on se rouit à leur suite. Jamais je ne leur offrirai mais l'autel, le sacrifice de mon autel. Je ne leur offrirai la table, je ne leur dresserai aucune table d'autel. Et ça arrivait en plus des fois. Là, on perdit l'horloge. On courait à gauche, on courait à droite. On baillait tout des dieux, des idoles. On montait l'hôtel pour eux. On allait vous servir et à servir des dieux, des choses que vous vous donnez comme dieu. Mais vous entrez, vous vous enfoncez. Dans votre néant,
Et l'homme enfonce en néant, il ne peut y avoir que de la tristesse. Moi, messieurs et maïsiens, je suis de Jérusalem tout découragé. Parce que vous avez dit, parce que vous avez dit, dès que ça a été qui vous avez dit, vous avez dit, mais il souffrit, mais il mourit, mais il quitte le tout, il quitte le tout, il dit. Et puis, il t'a annoncé la précipité, à vrai dire, bon, bonne mesdames, qui n'a pas l'empire, qui était nécessité, nous-mêmes, qui étaient quoi? Mais c'est lui-même qui devait installer la royauté, la libération en Israël. Ça fait 3 jours. Jésus tendait, messieurs, Jésus tendait, il a marché avec messieurs, tout découragé. On aimait ça. Jésus marchait avec messieurs. Et puis, il posait la question pour monsieur, qui s'est passé la tête comme ça, puisqu'il a marché tout découragé. Luc 24, verset 16 et suivant. Et puis, nous avons dialogué là. Jusqu'à ce que Jésus l'ouvre les yeux pour dire, moi, pas loin, non. Ça arrive en mi-temps, nous, qui m'y est, oui. Ouais, la semaine, ça, Jésus pas loin, même vous capable. Mais Jésus pas loin. On n'a pas bon égole. Mais bon Dieu dit, c'est moi qui voulais vous sauver. C'est pas vous-même qui sauvez tête. Ephésiens 2, 5 avec 8 là. C'est pas grâce que vous êtes sauvés. Dieu intervient. Pas besoin de paix à soi. Pas besoin de paix en demain. Dieu, Seigneur, intervient dans mon existence. Ou intervenir à Soya dans la vie, Manoa avec Madame Nibouvé Samson, au cœur de la stérilité. D'ailleurs, le Nouveau Testament s'ouvre par deux miracles. Le miracle d'Élisabeth stérile qui devient maman, le miracle de l'impossible, et la Vierge Marie qui était vieille, qui fille, qui et puis, qui vit une maman, sans connaître d'homme, ainsi de suite. Voilà. Miracle, Dieu intervient. Moi, j'aime un verbe là, moi, j'aime un mot, parce qu'il y a tellement d'obstacles dans ma vie, tellement de murs, nous avons commencé ça hier soir. Tellement de Jéricho qui nous entoure, au besoin de cette présence de Dieu qui intervient. Actuellement, on ne peut pas nous parler de tout le temps de Dieu interventionniste, comme si son Dieu avait intervenu chaque 2 semaines, comme si il n'y a pas besoin de collaboration. Dieu intervient naturellement. L'intervention, comment la collaboration que nous offrons, c'est la foi, c'est l'accueil. Dieu veut que nous accueillions dans la foi. Soyez messieurs, hein, c'est Jean 6, verset 28 à 29 là. Messieurs, dit Jésus comme ça, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Devons-nous faire pour travailler? Et je me suis dit, j'ai préparé une retraite là. Peut-être en boulimie, à gauche, à droite, qui peut toucher l'incarnation. Comment? Et puis je me suis dit, mon Dieu dit, ouais, tu fais mon œuvre. Ce n'est pas ton œuvre, c'est mon œuvre. Et puis, il me dit, ça a dégagé tant. On a fait effort pour faire plaisir en faisant l'œuvre de Dieu. Pas mal d'eau pour tout le monde. Verset 29, dans Jean 6, quand elle dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Parce que lorsque tu abordes mon travail, l'office divin. Moi, j'ai apprécié ce Joseph Taléa avec un préambule dans la prière avec Timéo et un petit moment d'adoration.
petit moment, soit avec une petite musique en sourdine, comme si vous parlez là. C'est le décor qui te fait signe qu'il y a quelqu'un de présent. Dans ton absence, il y a le présent. Et puis, parce qu'il y a ici quelqu'un qui vient exécuter son œuvre. Bon bagaille, moi, t'es rappelé, nous, ça, c'était avant-hier, avec Proverbe 8, 30 et 31. Il dit comme ça. Alors, la sagesse, il se présente comme ce logos qui a préexisté, qui était comme maître d'œuvre, qui était comme à contre, comme contre-maître de Dieu. Jésus, qui allait être la sagesse personnifiée, la sagesse incarnée, elle travaillait auprès de son Père comme contre-maître. Et puis, dans les délices de Dieu, dans la joie de Dieu, et offrant sa joie dans la compagnie des hommes. Belle bagaille. Et c'est ça Jésus pourra le faire même. C'est son travail aujourd'hui. Tu te prépares à Noël. Moi, je me prépare à Noël. Et je dis au Seigneur, travaille en moi, puisque ta fonction est de travailler jusqu'à présent. Viens travailler dans mon corps, dans ma foi, dans mon espérance. Je sens qu'il y a des bagages qui besoin creuser toujours. En pile. Dans ma pauvreté, pas pauvre assez de vous-même, sentiment riche de moi-même trop. Et plus moins riche de moi-même, moins joyeux parce que je ne trouve en moi qu'une déception. Quelle déception. Mais avec toi, le peu que nous connaissons de nous-mêmes, il y a la joie qui vient de toi. C'est la joie complète, la présence permanente. La joie du chrétien, c'est la présence permanente Dieu. Et qui te dit comme ça, écoute le livre. Et puis, il est dit comme ça, comment? Tous les saints sont théologiens. Sont des connaisseurs de Dieu. Et puis, comme sous-titre, à l'écrit, il dit, seuls les saints sont théologiens. Ça veut dire, seuls ceux-là qui se vident d'eux-mêmes pour se remplir de Dieu, pour se remplir de la pauvreté de Dieu. 2 Corinthiens 8, verset 9, là, quoi. Il dit, il s'est vidé lui-même, Jésus, oui, s'est vidé lui-même pour nous enrichir de sa pauvreté. Et lorsque, aujourd'hui, il nous parle de plénitude, et nous avons commencé tout à l'heure à dire, la plénitude de Dieu, c'est sa joie, c'est sa justice, c'est sa tendresse, c'est sa miséricorde, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est pas moi qui dis là. Relis Osée chapitre 2. Le chapitre moins aimé comme ça. D'abord, verset 16 là. Et quand on dit verset 16 là, mon épouse infidèle adultère, je la conduirai au désert. Et là, je lui parlerai. Seul à seul. Ouais, ou même, et bon Dieu, pour un dépit trois jours, ou avant une retraite, et assoya avant dormir devant Cabot, devant en bas, ou dit Seigneur, je suis avec toi seul à seul. Mon Dieu, pas peur que vous adultère contre lui. Mon Dieu, pas peur que vous te renié trois fois, sept fois, 77 fois, sept fois. Mon Dieu, pas peur que vous soyez des vagondaises. Mon Dieu, pas peur. Mon Dieu, vient nous rencontrer avec vous, seul à seul. Premier verset. Parce que vous courir.
quoi pour chaper. Et bien, seul à seul. Pas pour accuser, pour te détruire, mais pour te dire, je t'aime, tu le sais. Luc 15, verset 17, avec 20. Après, c'est moins aimé comme ça. Verset 17 là. Donc là, entrer en lui-même, prenant les bras cochons. C'est comme s'il parlait cochon encore. C'est bon Dieu fait entrer en lui-même. Là, il y avait une rencontre seule à seule. Et puis, il dérapait. L'aile dérapait. Mais c'est comme ça, mais c'est bien dit. Tandis qu'il était encore loin. Vraiment loin. Parce qu'il était dans son temps, c'était trop loin. Tandis qu'il était encore loin. Son père l'appelait aussi. Voilà la grande révélation du Nouveau Testament. Un Dieu qui devient père. Un Dieu qui devient père jusqu'à dire tout ce qui est à moi est à toi. Christ miséricorde, héritage avec Jésus-Christ. Tout ce qui est à moi est à toi. Mon parole qui m'a jamais dit, qui m'a jamais dit avant, mais que Jésus prononce au nom du Père. Et il est de nom des fils, pas des fils de chair et de sang, mais des fils nés de l'esprit pour nous combler des attributs de Dieu. Alors, nous retournons à Osée 2, mais après c'est ça, nous 21 à 22. Bon, Dieu dit comme ça, je te fiancerai à moi. Jésus a parlé avec les fécondes là, mon épouse infidèle là. Je te fiancerai à moi pour toujours. Ça veut dire définitif. Je te fiancerai à moi dans la droiture et la justice. Quoi? Non, des attributs de Dieu. Je te fiancerai. Ça veut dire ma baouza comme dot. On a dit longtemps, la caillon, loi mariée, il y a dot côté bail pour ma fille. Quand je connais un fond de sacré en Afrique, ou by dot, bon Dieu, by dot, dot à lui-même, je te fiancerai à moi dans la tendresse et la miséricorde. Mais c'est pas qu'il y a bon Dieu, c'est Exode 34, verset 6, là, oui. Dieu te tendresse et la miséricorde, oui. Elle dit, bon Dieu, bon, ça lié. Bon Dieu, vous participez dans ça qui est lié. Noël, la cabrive est là. Un Dieu fait homme, un ciel qui se déchire, une terre qui accueille. On te voit ça hier avec Psaume 84, 85, là, avec Origène qui déclarait par le Sauveur tombé en terre. Dieu a béni sa terre. Et puis on te voit ça hier avec et Grégoire de Nazianz. Il dit comme ça. Tout ce qui n'a pas été assumé n'a pas été sauvé. Or, Jésus a tout assumé. Ça veut dire, il a pris sur lui nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Mon petit passage, je me remets. Je m'appelle à prier avec Psaume 102, en parenthèse 103, là, en verset 14, là. Et ton père, même depuis, je m'appelle à prier, je me dis là-dedans. Écoute, comme ça le dit. Seigneur, tu connais de quel matériau je suis. Un matériau faible, infirme, incapable. Mais c'est au cœur de ce matériau que tu interviens pour diviniser, pour me rendre capable. 2 Corinthiens 3, verset 5. Il nous rend capable. Un Dieu qui te rend avec bon, formule théologique là, qui nous rend de Dieu. Il n'est pas doux pour tout et tout. Il m'a donné seul bagaille, il m'a donné la foi. Ou une foi qui coûte cher. Parce qu'une foi qui demande de t'ouvrir à Dieu, de t'ouvrir à moi et à cet accueil, mais même au passage, Marc
Marc 9, verset 23. De temps en temps, je lis même, mais je peux lire. Parce qu'il est trop fort. Comme ça le dit. Jésus qui a parlé avec Nella, qui a un petit clé, qui a gagné une épilepsie. Nella dit Jésus comme ça, toi, même si tu peux faire quelque chose pour nous. Jésus dit, si tu peux, si tu crois. Et qu'on a Jésus ajouté, t'es possible à celui qui croit. C'est pas parole. Si t'es monté, dis-lui. Tu vas dire, ils sont ratés. On peut dire, celui qui croit en Dieu devient tout puissant. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire, en accueillant dans la foi le projet de Dieu, tu deviens automatiquement participant de Dieu. C'est Hébreux 3,14. Devient participant de Jésus-Christ. Hébreux 6, 4, et participant de l'Esprit Saint. 2 Pierre 1, 4, et un, participant de la nature divine. Nous devenons des êtres en communion. Et c'est cette communion avec Dieu dont Saint Jean est témoin. 1 Jean 1, verset 4. La vie en communion avec Dieu, elle dit comme ça. Moi-même, tout, moi-même, les nous en communion avec moi, pour nous en communion avec Jésus. Et c'est pas Saint Jean qui arrogamment le dit, c'est Jésus lui-même qui le dit. Jean 17, verset 21 à 26, là, il dit, Père, même Jean, moi, avec nous, c'est Yon, fait que yo, vini Yon, ou nous, l'en yo, pour yo, l'en nous, pour y a cette communion. Et la Trinité. Demain, ben, le 25 décembre qui s'en vient, un enfant dépouillé, perdu dans une crèche, au milieu de la paille, un bœuf, une âne, et comme nulle part. Et puis, on est en décoration. Ou pral prendre comme un bagage qui fait beauté, oh c'est beau, ceci. D'abord, je te suggérer de te mettre à genoux pour te dire, Seigneur, tu es si grand et tu viens me visiter dans mon étable, dans mon néant, dans ma paille, dans mon rien. Heureusement, toi qui t'es anéanti, tu as repris après le nom qui est au-dessus de tout nom. Fais-moi reprendre avec toi, Seigneur, pour que ma joie reprenne, pour que ma vie reprenne, pour que je prenne finalement mon plaisir, pour que mon plaisir soit en toi. Je vois Jésus qui a prié dans Jean 17. Jean 17, verset 13. Toujours ce leitmotiv de la plénitude. Jésus qui a pris la prière. Il dit, bien, il sort dans le monde. Jésus qui a pris la prière pour moi, la prière pour l'église, l'IA, la prière pour s'il va le croire, l'enseignant qui a fini. Mais la prière, sa prière, tu connais qu'il y a une secousse. Ouais, une secousse, c'est même ça. Public Xavier, à travers la presse, grande déclaration que l'Église l'a prononcée, il y a un pli de secousse. Le mental, conséquence, pas qu'il s'apprend à gagner. Jésus qui a la prière, papa, pour que rien pas faire, rien pas branding. Il dit, Père, ils sont dans le monde. Mais ils ne sont pas durs. Comme moi-même, j'étais avec eux. Je ne suis pas du monde. Mais je prie ici pour que ma joie soit en eux et que cette joie soit complète. Pas inquiétez, oh petite. Dieu est là. Il était là. L'empoigne bateau. L'empoigne bateau.
songez là, et la macaque, c'est 34, 36 ans, il dit, là, point de bateau, hein. Ah ben, monsieur, fin débordé, parce que l'an, mais a fin débordé, ah ben, et puis il a dormi comme s'il n'était pas là, comme s'il n'était pas là. En pile de fois, nous, à vivre comme si Jésus n'était pas là. N'a vivre, n'a pensé à Ukraine, des monde qui pas, des monde qui jouerait, des monde qui parle en pile, des monde qui va comme tu peux mettre tête au même, à cause Matissan, à cause tout le monde nous connaît en Haïti qui bloquait tout le monde, tête nous presque perdu, comme si bon Dieu pas, comme s'il était sourde. Nous la prions fort, nous la nous plaignons, nous lamentons, nous crions, nous jouons. Parfois, nous changer religion même. Comme si bon Dieu parle. Je dis, hein, avec ce mystère de l'incarnation, la présence de la plénitude de Dieu au cœur de l'homme, là pour réconforter. Colossiens 2, versets 9 et 10. Oui, oui, mais passage ça. Bon. Dans son corps habite la plénitude, toute la plénitude de la divinité. Ça, belle. Dans son corps habite toute la plénitude de la divinité. Ça, belle. Avec ce rêve-là. L'autre verset 10, qu'on a dit. Et il nous a associés à sa plénitude. Dans son corps habite toute la plénitude. Et il nous a associés à sa plénitude. Moi, ouais, Saint-Pierre qui a pris une grosse décision pour l'Église là. Des apôtres 15, verset 28 là. Saint-Pierre dit comme ça, l'Esprit Saint et nous avons décidé. À nos associations, les plaies la prennent, bon Dieu, comme partenaire. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Tu n'es pas seul sur la route. On est dit comme ça. Plein Emmaüs qu'on a sur la route. Ou même, ou gagne. Heureusement, bon Dieu, pas de bail, compagnon. Comment il est là encore? Et pas Josaphat, n'est-ce pas Emmaüs là? Ah ben, li pa gen compagnie, li pa gen l'autre non-nègre là. L'autre non-nègre là, c'est ou même qui a marché avec Josaphat ou bien Cléophas. Et nous deux, avec Jésus dans le temps. Parce que nous complétons. On a dit comme ça. Vous pouvez toujours parler de Thomas comme jumeau. Mais vous pouvez jamais l'autre non-nègre jumeau. Hein? Parce que l'autre là, c'est ou même. Nous toutes nous sur route ensemble avec Jésus, pour lui qui est venu combler notre vide. Le péché a créé un vide. Et puis, il y a Satan qui est là pour nous détourner l'attention, pour nous aider à nous engouffrer dans ce vide. Mais le Seigneur vient pour nous remplir de sa présence, pour nous remplir de sa joie, pour nous dire que lui seul nous suffit et il vient pour faire route avec nous. Merci Seigneur parce que tu fais route avec nous jusqu'à présent. Gloire te soit rendue maintenant et pour les siècles des siècles, maintenant et pour ce temps de Noël, maintenant avec les deux semaines de fête qui s'en viennent, que nous puissions entrer dans la crèche avec toi, parce que tu viens habiter notre crèche personnelle. Gloire te soit rendue maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Belle parole. Amen. Et donc, et nous allons passer la prière universelle. Ok. Amen. Merci, ma soeur. Seigneur Jésus, il est qui me belle parole, ça fait. Elle était dans la tête, dans le cœur, moi, Seigneur. Tu as raison, Marlène, c'est ça. Appelle le Seigneur pour t'aider, pour nous aider. Pour nous aider, hein. Bon, ok. Fabien? Oui, c'est moi. Oui, puis oui. Il la prière universelle. Oh! Papa Bonquin, n'a pas la prière pour l'église roi qui est en mission sous terre. N'a pas demandé, voyez l'Esprit Saint par là sous lui. Fais l'Esprit bon comprendre, toujours été sous lui. De quoi pour toujours parler la vérité. Pour aucun la troublaille pas envahir. Pour être dans service peuple bon Dieu avec un pile d'amour avec lumière en nous la prière. Pour peuple Peyo à toute laïque qui engagé dans service l'église là. Grand maître Peyo comprendre yo c'est corps Christ là. Fais-yo toujours été fidèle dans travail ou bayo pour yo faire en nous la prier. Ô Jésus l'ouvrier, ramasse et prie nous pour te bail papa. Pour toute maladie yo, prisonnier yo, sans abri yo, pour handicapé yo, ak tout moun ki pa gen aucun moun kap pote yo sekou nan moman sa. Grand maître, nou ta mande yo nan finisman ane sa, fè yo jwenn sekou nan men yo pa l'entremise yon bon samaritain. Ou a mette sou route yo, an nou la priye. Ô Jésus, l'ouvrir bras, ramasse et prie nous pour te bail papa. Et pour nous tous qui tapent la prière ou dans trois jours de ça, et pour Père Yo, Mère Yo, Master André, à tout peuple, bon Dieu, c'est pour lui mettre Emmanuel là, qui voulait dire bon Dieu avec nous, toujours été dans la vie. Non. C'est pour continuer à faire route avec nous. Connaissance ça yo n'a prévive yo à prochain laisse ça à capable dit tout bon pour ce bon Dieu et bon Dieu pour te voir pour ce bon Dieu tout bon. Ô Jésus l'ouvrir bras ramasse prier nous pour te bail papa. Ou Père Jean-Gaëtan, le psycho qui t'a accepté, vient prêcher l'avant ça pour nous à tout lit. Vraiment devant Dieu, grand maître, là. Pour courir, Père nous ça, qui t'a ouvert d'une spirituelle, là, et qui est toujours là, ensemble avec nous. Pour bon Dieu, ballon, en santé robuste,
pour bon Dieu faire qu'elle toujours content, pour bon Dieu faire toujours continuer à servir peuple bon Dieu, Jean que la fait là. Papa bon Dieu, écoutez-vous. Oh Jésus, l'ouvre et prend, ramasse et prie, ôte et baille, papa. N'a pas passé tout de suite dans le mot de remerciement avec Monseigneur Pierre-André Pierre, le directeur du Centre national de l'apostolat haïtien à l'étranger, qui va le monter mot pour Gino. Et bon, après trois jours, après trois soirées, nous sommes ensemble. Oui, de ça. Qui veut que mon Seigneur, que vous avez la parole. Merci, Frère Buto. Je n'ai pas de parole assez et je n'ai pas de parole assez. Pour moi, dire, Père Louis Gaëtan Boussico, merci. Pendant trois jours, dimanche 17, lundi 18, mardi 19 décembre, il marchait avec nous, il fait un voyage avec nous. Le voyage ça t'a mené nous dans cœur content bon Dieu. Voyage ça t'a mené nous dans rencontrer avec Jésus, dans joindre cœur posé Jésus. Moi dit Père Louis Gaëtan Boussico merci parce que il mettait tout lui-même, toute expérience lui, toute connaissance lui et puis toute vie spirituelle li dans sa lipote banou an. Dans l'époque ça n'a préparé nous pour nous rentrer dans Noël. Il y a un monde qui te fait volonté bon Dieu qui te mettait tout lui-même à disposition volonté bon Dieu. C'était Marie. Capable dit pour retraite ça, Père Louis Gaëtan Boussico mettait tout lui-même pour servir comme relais. Pour servir comme moyen pour servir comme instrument pour aider nous faire route là. Non, non, bon Dieu. C'est bon Dieu qui voulait pour nous rentrer dans le cœur content ça. Mais instrument qui mène nous dans le moment ça, c'est Père Louis Gaëtan Boussico. Nous tous nous connaissons, c'est un frère pour moi, c'est un confrère. C'est un monde que je connais depuis longtemps. Mais c'est un monde tout qui toujours été égal à lui-même. Toujours fidèle dans sa l'affaire. Et puis toujours pas tête lui complètement pour sa l'affaire. Je dis à, moi dis bon Dieu merci pour être apostolat haïtien capable de bénéficier pour être avec Radio Télé Solidarité et nous toutes qui sous plateforme là, nous capables de bénéficier de instrument ça. Bon Dieu mette à disposition nous pour nous pour entrer dans Noël là dans préparation nous dans temps l'avant. Et puis c'est pas seulement en foi nous Père Boussico servir nous depuis nous frapper à la porte il toujours répondre. C'est deuxième retraite qu'il fait pour nous. Te gagnons déjà dans samedi 9 décembre. Il te relé main en main. Main en main. En nous travaille pour nous katounen vrai disciple Jésus. Nous quoi tout de faisons seul. Parce que dans ça nous prend, je dis, nous est disciple Jésus, c'est cela qui font col dans Jésus. Père Boussico, merci en pile. Dans nos apostolats haïtiens, dans nos radio-télé-solidarité, dans nos tout le monde qui sous plateforme et qui vive le moment ça pendant trois jours. Mais ce n'est pas dans nous seulement, non. Dans nos tout l'autre monde qui prend l'opportunité de vivre le tout, parce que ça va aller plus loin, il va passer sur YouTube et certains en pile monde va le voir. Côté en nourriture qui bien pour nous, qui sain pour nous, S-A-I-N, ou côté en force ba nous, avec un encouragement pour nous, ou faire nous connaître dans toutes circonstances, même les, nous pas well, mais bon Dieu là,
li toujou la, e li pap jam pa la. Mèsi anpil, se pou grâce bon Dieu a toujou akompanye ou. Se pou fòs bon Dieu a toujou abite nan ou, pou instrument sa ou ye a, li toujou gen plus encouragement avec plus force pour continuer mission. Merci. Merci Lolo. Mes amis, nan nan nou tout, mwen di Père Gaëtan merci, an nou di le merci a avec moi. Très bientôt, an nou di Père Gaëtan Boussiko merci. 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 Merci mon Père, merci. Merci mon Père. Merci aussi mon Seigneur. Merci. Et puis, c'est toute une équipe pendant 3 jours qui mettait ensemble et accompagnait votre ça avec Père Gaëtan Boussiko. Dans le premier jour, nous avons une équipe dans l'archidiocèse Miami, équipe déjeuner spirituel et puis l'équipe du cri de midi de l'archidiocèse de Miami. Yo te fè yon animation pou nou, yo te akompanye nou nan préparation, nan range nou, nan entre avec nous, avec Père Gaëtan nan premier joie, entre dans la joie du Seigneur. Jean, Jésus te dit ça, nan dernier moment, li te rele moun sa yo ki te fè volonté li yo. Et puis, nan deuxième joie tout, nou te genye groupe Radaka nan diocèse Brooklyn. Nous avons variété de Miami à Brooklyn. Et puis, nous allons plus loin aujourd'hui, nous allons au Canada. Le groupe Radaka, son groupe dans le diocèse Brooklyn. Oui. Et qui est un pile jeune là-dedans et qui implique un pile dans accompagner le peuple bon Dieu. Nous disons merci aujourd'hui. Même Jean nous dit merci pour les jeunes spirituels et l'équipe du cri de midi de l'archidiocèse de Miami. Et jeudi, à la troisième joie, nous avons Sœur Josette Augustin avec les Sœurs de l'Immaculée Conception qui ont plusieurs côtés, mais qui ont participé et qui ont fait une animation, tout, qui ont aidé nous à entrer plus fond dans le dernier jour. Ça, côté présence Jésus, cœur content, bon Dieu, la plénitude de la joie du Seigneur. Côté, je t'ai préparé ni corps nous, ni l'esprit nous, ni nam nous, avec prière, avec adoration, pour nous rentrer là-dedans. Moi, je dis tout, merci. Contribution nous, par une valeur. Contribution nous, dépasser tout ça, nous t'es capable. Tout ça, nous t'es capable d'attendre. Merci en pile pour dévouement. Merci en pile pour contribution nous, tout ça. Yo. Et puis, les infatigables. Les monde qui toujours là, yo. Qui là chaque jour. Et puis, qui contribuer, qui collaborer, qui participer, qui venir côté eux-mêmes, et puis qui encourager, et puis qui prend conscience apostolat, c'est à faire nous toutes liés. Pour bon Dieu qu'embé nous dans chemin ça. Pour bon Dieu ba nous tout ça qui nécessaire pour nous capable continuer servir un modèle côté nous hier pour nous montrer présence li d'elle paraître invisible. Et puis pour nous toutes Père Boussiko, Frère Buto, nous tous qui sous plateforme non, tous 3 groupes, 3 jouyo, et déjeuner spirituel, équipe cri du midi de l'archidiocèse de Miami, Radaka de Brooklyn et Sœur Josette Augustin de Montréal et les Sœurs Mick, tout côté yo yo et nous tous qui participaient, m'a profité tout pour me dire nous yon Noël qui pote cœur content, yon Noël qui pote remè. Yon Noël qui portait la paix pour nous entrer net aller dans cœur content, bon Dieu, et pour nous servir tout un instrument pour y rejoindre tout le monde. Sans oublier, sans nous pas oublier, pays nous, peuple nous. Joyeux Noël pour nous toutes. Cœur content, cœur posé, grâce bon Dieu, avec nous toutes, la caille nous, avec toute famille nous. Merci. Merci à vous, Monseigneur. Merci. Joyeux Noël. Merci, Monseigneur. Joyeux Noël. Docteur Assad. Il n'a pas dit avec annonce réellement bien, mais que
Nous avons cherché pour nous, 9h27 pour nous. Bon, que pour annoncer, nous sommes capables de dire que, et puis pour annoncer là que, et que nous avons bien en soirée et de prière de clôture avec, avec Monseigneur Jean Desinon, l'évêque du diocèse de Hinche, qui a fait et, vendredi 29 décembre, de 7h à 9h30 que la vient. Quand nous avons fait Omer Lestache qui était là à tout, que nous saluons. Et que nous sommes très contents que Père Omer l'espace. Bon, on voit que Père Omer, c'est qui est par voie, c'est mi balais, c'est mi balais. Et qui est là. Que... Et que nous avons 16 ou peut-être que moi, c'est. Et que, bon, normalement, pas. Et peut-être que moi, c'est de tout barrette. Et 16 ou peut-être Charles Eco qui est là. Et son mec, qui soit qui participe avec nous. Et qui te fait somme là tout, qui est réellement content, et que vous te gagnez ce joubette qui était là ensemble avec nous. Et là, avec moi, que je vous dis, là, nous avons au moins 5 ou bien 6 congrégations religieuses qui participent, et que nous avec nous, que nous réellement content, et que l'autre, nous venons quand même bien pour annoncer nous, normalement que. Le mardi, au lieu que pour nous on dîner, c'est un souper que nous allons gagner le mardi. Mais quand, probablement, c'est le 9 que nous avons commencé. Et nous avons commencé avec un groupe, le groupe Gadaka, bon, qui pour maintenant, qui a fait tout effort que réellement que pour le mardi, que pour autant avec nous le mardi. Et bien que normalement, que nous avons gardé qui ça va aller. Et le groupe Radakatou, 1er janvier, il y a quoi que si vous avez un balassoué ou que vous avez présenté, le 1er janvier, probablement ça a 8 heures du soir, mais vous avez l'autre, vraiment bien l'autre information. Et que le groupe Radakatou, son groupe, qui toujours supporte le Centre national, d'ailleurs, le dernier chant que Kipso Monseigneur Sosa avec là, réellement qui porte qui fait un petit succès c'est un petit Gradaka, nous voulons parler de c'est et Docteur Farah qui chante l'île avec c'est frère nous original qui réellement te fait tout dernier arrangement et l'équipe tout cas ça on fait pas jamais de noyer pas jamais de noyer ça que nous capable de bien faire pas jamais de noyer toujours prêt pour collaborer et moi que ça c'est grâce que pour nous c'est grâce pour nous. Pour nous prier pour mon Zayo, bon, il va être pour l'église là, pour être pour une cause. Et moi, que vraiment c'est la bonne cause, laissez pour l'église, pour être pour. Ouais. Et avec une normale en plus. Pour l'église, c'est la vraie loi, comment faire qu'on est. Pour mettre le pour l'église. Et qui fait que, réellement, que, premier prière, nous avons que pour l'année 2024 là, et que, premièrement, que, il y a que le 9 janvier, mais dans la soirée avec le groupe Radaka. Et qui va que nous passer avec Boussico pour la bénédiction finale. Et un grand merci. Oui, je l'ai. Oui, pour la bénédiction finale. Moi-même, tout, moi, dis nous merci en ville. Est-ce que nous permettons de venir partager pendant 3 jours du bout de la foi, moi, avec nous, du bout de la prière, moi, avec nous. Je suis content que nous la prière pour moi, tout. Moi-même, tout, je continue la prière pour nous. Et puis, nous sommes là ensemble. Nous avons fait Emmaüs, nous, ensemble. Et nous avons monté Nazareth, Bethléem, Nazareth, ensemble. Les jours à venir. Yon songe l'autre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Yahweh, le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Tout apostolat
Haïtien, Monseigneur André, Frère Buto, à tout podium, dis-nous toutes déjà joyeux Noël. Étendu est l'Empire dans une paix.